sur du Link contre Inkling. Incroyable, Jean-Chip Shiro. Tu vas faire top 4 sans le vouloir. Alors excuse-moi, je m'installe, c'est parti pour un match beaucoup plus actif que celui qu'on a vu juste avant. Vartak, on le voit, qui change complètement de style de jeu, il s'était complètement adapté bien à Jean, à l'attendre, à le forcer aux erreurs. Et maintenant, il agresse, il est beaucoup plus actif. Et là, pour l'instant, le premier round se passe très très bien pour lui. Le premier stock, 94% de dégâts du côté Inkling. Et ça, comme complètement le neutral complètement du côté de Vartak, le fer. On a 100% de l'avance hein, pour Vartak. Il a le premier lag. Ah, j'espère que ça va pas être gênant dans la game. La bombe qui éclate. Ce week-end, non, c'est pas prévu Undergold, mais je participerai à des tournois sur des Discord. Je pense au Vartak qui va attendre, qui a pris son avance maintenant, qui n'a plus de raison d'être agressif, qui va reprendre son petit rythme de croisière. Ah, je suis Shiro qui top 4. Ah, c'est... Je fais le Fort Glory en tout cas dimanche, et après c'est possible que j'en fasse un demain, on verra. On verra. Rien de sûr pour l'instant. Le donner à 27%. Son Vartak est très beaucoup plus agressif que sur le match d'avant. Hein. On voit un Vartak complètement différent, qui était dans l'attente contre le Megaman. Et actuellement, maintenant... Et dans l'agression. Vous avez des infos au niveau de Raccoon et Ska. Je crois que Ska est parti. Mais Raccoon, je crois, apparemment, il avait le lag, des problèmes de connexion. Et le F-Smash qui ne sera pas fini. Il n'y croyait pas, encore une fois. Le side B. Le boobang. Le fer derrière qui connecte pas. Notre tilt. Le fer qui connecte. Et le second stock qui part. Actuellement. Artsif en difficulté sur ce match-up. Hein. On aurait pu penser beaucoup plus en confiance de son expérience, de son niveau. Et pourtant, Vartak qui actuellement fait la surprise peut-être. Hein. Artsif qui était un des favoris du tournoi, qui pour l'instant a un stock complet de retard. Le F-Smash qui connecte 38%. Après ce match, on voit aussi le second, la seconde semi entre The Bed et McCroft. Alors qu'en loser, j'ai pas envie de Raccoon et Sky, je crois que les deux sont morts. Je crois que Matisse aussi est parti. Je crois qu'on a. En fait, on a la moitié des participants qui sont. La bombe! Qui suffira! Incroyable! Ce snipe était ingénieux. Arsenif qui est parti bien vers le bas. Il a descendu. Il s'est dit, je vais être tranquille. La bombe qui le snap, qui explose et qui tue. Ce qui est plus rentable, c'est de me faire un don de 700 euros. Mais n'hésite pas, mais il te faut un PC pour faire un don. Donc c'est à toi de voir, hein. C'est à toi de voir, l'intervol. Bien sûr. 1-0 pour Vartak. Match très, très. Alors, Raccoon, Sacha, apparemment, je crois que Ska, pas Sacha, est parti. Et donc, Matisse aussi est parti. Donc du coup, tu vas gagner deux matchs par forfait. Beaucoup de joueurs partent. Malheureusement. Tu connais pas le match-up, Arsif? Ah, ça se voit que t'es en difficulté sur ce match-up. En tout cas, 1-0 Vartak qui nous fait vraiment un match de qualité. En son second round, s'il s'adapte, s'il arrive mieux à se placer, à éviter les projectiles. Est-ce que Artif peut revenir? Est-ce que Vartak va faire un peu l'upset entre guillemets? Même si on peut pas vraiment appeler ça un upset pour un premier tournoi. Alors que ça lag! Ça lag complètement. Qu'est-ce qui se passe? C'est reparti. On a eu une petite période de peur. Vartak a des petits lags de connexion apparemment, des petits soucis aujourd'hui. Artif aussi d'ailleurs qui est en 4G. Donc ça a plus une catastrophe niveau connexion ce match. Mais pourtant, la série est devenue fiable. Et Arsif qui reprend ses agressions, qui est beaucoup plus agressif qu'au premier match. Et qui prend les dégâts pour l'instant, 81%. La phase de grâce super propre. Hein. Le F-throw, pas de punish derrière. Le F-smash qui passe tranquillement. Vartak qui s'en met au niveau du terrain.
Bartak qui attend une nouvelle fois. Bartak qui fait un back air. La bombe qui sort. Et le rouleau qui suffira à punir. Mais qui n'enterre pas. Nice pari. Le second flèche qui passe. Arslif qui est en difficulté. Pas de punir son boomerang. Il récupère sa bombe. L'attente. L'attente du deux côtés. Le F-tilt. Un match beaucoup plus serré que le premier. Arslif qui se remet dans les bombes des deux côtés. Les Sulksel du Link sera efficace. Ça part bas du côté de Bartak. Ça suffira pour revenir encore une fois. La dash attaque. L'affaire qui passe pas, le rouleau, tranquille, bon attention, passe à la barre. Arsif, très beau fer sur l'aide et la mauvaise DI du côté du Link, du Inkling. Très très beau fer, c'était impressionnant ce qu'il a fait. Il s'est placé au niveau de l'aide, il avait plus de saut, il avait son fer sur l'aide. Arsif, il a pas vu venir, qui se l'est pris derrière. Il meurt sur une mauvaise DI malheureusement. L'attente, le grab, le back throw. Ça remonte. Alors que ça lag à nouveau. Au secours. Compliqué, hein, compliqué. Et Mycroft et The Bet a joué en stream après, donc ça n'a pas encore été joué. Ça n'a pas encore été joué, Jean. Ne t'inquiète pas. Le Saibi. Les F-Tilt. Allez, le stack. Pour l'instant, Vartak qui essaie de reprendre une position neutrale. Il a vraiment ce stock d'avance. Et le backer qui passe pas. Attention au lobby. Il s'en va stage pike, il a même bien haut. Et là, il ne l'enterre pas. Bien joué la bombe qui a permis d'éviter l'enterrement, je pense. Et de reprendre une position un peu plus défensive, un peu se recaler. Le F-Smash, non, parce que le lobby. Bien sûr, le lobby de Inkling qui surprend des fois, qui fait des petits dégâts. Une toute petite hitbox à l'atterrissage. Le rouleau pour esquiver les coups de smash. Il passe en dessous, ça ne suffira pas. La bombe, attention. Arslif qui n'arrive pas à trouver ses phases. Et Vartak qui en attente totale. La bombe qui suffira à tuer. Et à nouveau deux stocks d'avance. Avec plaisir, Endergold pour demain. Si je suis dispo en fonction des horaires, on verra ça. Vartak qui en attente encore une fois. Vartak est complètement. Vartak est complètement chaud sur ce match. Il n'arrive vraiment pas à trouver les approches. Ça a l'air compliqué pour lui. Le backer qui tuera. On tira le premier stock du côté de Bartak. Bartak qui avait fait une petite erreur de placement. Mais il a un stock et demi d'avance maintenant. Que faire? Le backer toujours. Le donner. Toujours les mêmes approches du côté de Bartak. Attention, ce petit nerf qu'on a pu surprendre. Et perdre un stock très très vite. Le faire dans le neutral. Maintenant, Bartak, il faut qu'il soit patient. Hein. Faut qu'il trouve la phase pour entrer. Parce que Bartak, il attend. Il place ses projectiles. Il fait sa vie. Et derrière, il prend pas de dégâts. Il ne se fait pas punir. Je pense qu'Artif n'arrive pas à trouver les phases. Le grave. Peut-être la faire d'ailleurs. Non, pas de faire d'ailleurs. Le père qui punira pas. Un fer. Deuxième fer. Le back fer qui suffira à stage pike. Retour. Un stock des deux côtés. Artif qui doit faire une stock très très nickel. Il a montré ce qu'il fallait. Une agression. Et Artif qui revient clairement dans le match. Artif qui a encore moyen de gagner ce round peut-être. Bartak qui fait le nerf. Bartak qui n'arrive plus à trouver les approches. Bartak qui attend, qui cherche une solution. Le chillage à Bordeaux. Je pense qu'il a voulu parier encore une fois, mais qu'il n'a pas réussi. Le bien sûr, pas de punish. Non, parce que les hitbox qui arrive à écarter le Link. Le F-Tick qui suit, enfin, grave, il passe au-dessus. Le F-Mash. Dommage, Arsif qui avait tellement le job, tellement tout le long. Il avait fait ce qu'il avait pu pour revenir. Il a tout donné sur son match. Et pourtant, le F-Smash, un petit peu bourré dans le neutral, qui a suffi à passer Arsif. Dommage, très bien joué.